Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui d'un colis que je viens de recevoir à l'instant d'un membre du forum DB Collection. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Où est-ce que je pourrais l'ouvrir sans abîmer ce qu'il y a à l'intérieur? Peut-être comme ça. Voilà. Oh oh! Alors. Je découvre en même temps vous comment ça a été emballé. Plutôt bien. Et voilà. Ok. Donc je pense que vous avez dû remarquer ce que c'était. Donc ce sont les Shikishi Part 1. À l'époque, j'avais pas eu l'occasion de les faire. Je m'étais dit que j'aurais un peu le temps pour les préco et ça m'est passé complètement par-dessus la tête. Et du coup, j'étais très déçu quand je me suis rappelé qu'effectivement, je ne les avais pas commandés. Donc je les ai rachetés. Voilà. Alors, je les ai achetés un peu cher. Hein. Enfin, forcément, aujourd'hui, trouver un full set à la vente, c'est compliqué maintenant, surtout à des prix abordables. Donc voilà. Donc je l'ai acheté un peu cher, mais bon, c'est tant pis pour moi, j'avais qu'à prendre au début. Donc normalement il y a 16 cartes qui font entre 12 et 13 cm de hauteur et largeur. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Effectivement, il y en a 16. Donc on va les prendre une par une et on va regarder comment elles sont. Donc, alors voilà, ce qui est bien aussi, c'est qu'effectivement, elles sont protégées par une sorte de film plastique pour justement éviter de les abîmer. Donc ça, c'est plutôt bien. Et la personne qui me les a vendues donc m'a gardé sur chaque carte le sachet. Voilà. Donc chaque, je crois, alors si je dis pas de bêtises, chaque sachet, c'est dur à dire, contient un Shikishi. Voilà. Donc là, on a un Shikishi de Trunks. Le Piccolo. Très sympa. On va savoir que derrière, il n'y a rien du tout. Hein. Derrière, c'est du carton. Les Shiki sont assez rigides aussi, de bonne qualité. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je n'avais jamais eu l'occasion d'en avoir un dans les mains. Le Goku. Sur le nuage magique. Sur le Kinto 1. Gohan. Goku. Super Saiyajin. Super Saiyan. Ou SSJ, 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 SS. Voilà. Le Végéto. Le Gotenks. Super Saiyan 3. Le Bilus, pardon. Son Goku Super Saiyan 3. J'aime beaucoup les effets un peu. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais les effets un peu ici, là. Un peu peinture, un peu pastel. C'est vraiment du bon boulot. Voilà. C'est vraiment des beaux produits. Alors, ça, je crois que c'est une SP. Le Son Goku avec les sortes de dorures sur les côtés et le rond au milieu. Voilà. Donc le Son Goku Super Saiyajin. Ok. Donc là pareil. Là je pense que c'est trois visuels qui sont repris en un. Donc là on avait le Son Goku qui est ici. On a le Gohan qui doit pas être très loin. Qui est ici effectivement. Voilà. Et je pense qu'il y a le Vegeta qui va pas tarder à arriver.
Ok. Ah ben voilà. Végéta. Végéta avec des dorures. Très sympa. Encore 3, 4. Le Beerus avec Goku. SSJ Blue. Ok. Le Vegeta. Donc apparemment, il y a deux versions. Voilà. La version en bleu et la version dorée. L'avant-dernier, le Goku. Voilà, donc effectivement, il doit y avoir trois versions différentes. Ou quatre même. Et le dernier, sympa, Frieza. Voilà. Donc effectivement, donc les quatre qui sont là sont entre guillemets, je pense, les quatre un peu SP particuliers qu'on peut voir. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je les trouve super jolies. La part 2, j'essaierai de les récupérer aussi entre-temps parce que je ne les ai pas fait. Du coup, ça va être aussi une galère à récupérer, mais bon, c'est pas grave. Je pense que pour la partie 3, s'il y en a une, je les préco, mandrai sur un Miami par exemple. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne semaine et à plus tard. Salut!